Messieurs, la saison régulière s'est amorcée hier soir dans la Ligue nationale de hockey. Et pour l'occasion, les sénateurs d'Ottawa recevaient les Maple Leafs de Toronto au Centre Canadian Tire. On en parle avec William Black qui est sur place. Bonsoir, William. Bonsoir, Daniel. Bon, alors cette soirée-là, William, ça a été l'affaire vraiment là, de la recrue Auston Matthews. En effet, Daniel, le premier choix total lors du dernier repêcheur de Ligue nationale a amorcé sa carrière sur des chapeaux de roue, c'est le moins qu'on peut dire, puisque le joueur de centre de 18 ans, originaire de Scottsdale en Arizona, est allé d'une performance de 4 buts, chose qu'on n'avait jamais vue auparavant dans un joueur recru qui, dès son premier match, compte 4 buts. Donc, on avait vu Auston Matthews avant le début de la saison, lors de la Coupe du monde de hockey à Toronto, dans la ville où il évolue dans la Ligue nationale. Il avait très bien fait aux côtés de Connor McDavid. Et puis, on a eu l'occasion de le voir aussi dans le camp d'entraînement. Il avait aussi donné une très bonne prestation. Par contre, on avait hâte de le voir en saison régulière. Qu'est-ce qu'il allait faire aux côtés des hommes, des joueurs qui évoluent dans la Ligue avec beaucoup d'expérience. Et puis, Auston Matthews a répondu présent en comptant 4 buts. Oui, et puis cette soirée-là marquait aussi le début de l'entraîneur-chef, là, Guy Boucher, à la barre des sénateurs. C'était sa première soirée, lui aussi. Oui, eh bien, Daniel, on se rappellera qu'au courant de l'été, Eugene Melnyk, la direction des sénateurs d'Ottawa, avait décidé d'y aller d'un virage francophone, c'est le moins qu'on peut dire, en engageant Pierre Dorion à titre de directeur général de l'équipe. Puis Pierre Dorion avait choisi son homme et c'était Guy Boucher. Guy Boucher qui avait déjà fait un passage auparavant à National, qui avait été entraîneur du Lightning de Tampa Bay. Et puis après, s'était retrouvé en Europe à entraîner les Lions de Zurich. Donc Pierre Dorion a fait appel à ses services cet été. Guy Boucher était très, très, très content. Et puis, il a remporté son premier match aidé par son ancien joueur dans la Ligue junior majeure du Québec, Derek Brassard. Donc, ça a été une soirée très, très, très forte en émotion pour Guy Boucher hier. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup. Au revoir.